avait prévu de faire un shitload de choses pour l'école, mais la journée commence vraiment rough. J'avais oublié qu'aujourd'hui, c'est genre le vermifuge à mon cheval, puis faut que je sois présente parce qu'il est vraiment dur à gérer. J'étais un peu comme ça panique parce que mon père vient de me dire « faut que tu y ailles ». C'est ça, fait que je vais aller faire le vermifuge à mon cheval, puis après, ben, il va falloir que je fasse encore la même job que j'avais à faire. C'est juste 1000 fois plus longtemps que ça va me prendre. OK. Fait que là, en ce moment, je pars de l'écurie, là. Je me frappe comme chier, là. Aujourd'hui, on devait faire 2 vaccins. Et on a été capable d'en faire juste un parce que ben, je l'ai pratiqué beaucoup plus d'un côté que de l'autre pour tout ce qui est vaccin intraveineux, donc dans les veines. Côté gauche, il s'est vraiment obstiné comme à peu près 5-10 minutes pour pas le faire. Mais après, il a comme juste rien fait. Habituellement, tu sais, il va se lever debout, il va chercher à juste comme se défendre littéralement. Mais là, il a rien fait, puis tout était vraiment correct. Je m'excuse, hein, ça bouge. Mais c'était vraiment correct. Puis on a essayé de l'autre côté pour faire l'autre vaccin contre la rage, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que, en plus, aujourd'hui, en plus, il était extrêmement stressé. Comme, je pense que c'est à cause de l'orage. Aujourd'hui, on est vendredi le 29, je crois, le 29 mai. Puis il annonce des gros orages. Fait comme, il vente beaucoup, mais je pense pas que c'est le vent. Je pense vraiment que c'est le fait qu'il sent le vibe de l'orage qui s'en vient. Puis, ça fait qu'il était déjà craintif à la base. Puis, juste ça que ça a bien été. Fait qu'on a juste fait un vaccin au lieu de deux. Puis, c'est pas mal ça. Fait qu'en ce moment, il est 10h50. Puis, je pense que ce que je vais faire, c'est. En fait, c'est ce que je vais faire. Je vais aller prendre ma douche. Puis, je vais commencer mes devoirs. Parce que je dois commencer par mon texte de français. Je l'ai fini à minuit hier. Puis, je suis extrêmement fatiguée. Comme vraiment fatiguée. Je me lève à 7h le matin. Puis, je me suis couchée à minuit. Fait que. Je suis vraiment crevée raide, mais il faut que je rentre tout ça parce que j'ai 2 textes à rendre pour lundi. Mon autre texte est en philosophie et je dois finir ma matière en écureuil, je vais pas le frapper. Mon dieu, traverse donc bien lentement! Stop pipi! Je reviens de prendre ma douche, fait que c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Mais dans le fond, là, je suis prête à commencer mon texte de français. Dans le fond, en fait, je l'ai tout écrit hier, j'ai fait mon plan avant hier. Puis j'ai écrit mon texte hier soir, comme jusqu'à minuit. Puis là, ben, ce qui me reste, c'est comme à tout le mettre ensemble, puis à corriger. Je vais vous montrer comment, genre, je fais mes étapes pour écrire un texte. C'est vraiment miraculeux. Ça m'a tellement aidé cette méthode-là. Là. Comme avant, je faisais vraiment pas ça, puis j'avais des moins bonnes notes. Puis là, je fais ça, puis ça me sauve la vie. Un petit tip que je pourrais vous donner pour écrire un texte, qu'il va être fort et tout, c'est de s'installer genre sur son lit confortablement. Moi, je mets mon ordi sur mes genoux parce que, je sais pas, mais pour moi, on dirait que si je me mets sur mon bureau devant mon ordi, on dirait que mon cerveau est juste genre, ok, là, t'es là, puis tu dois écrire un texte, puis écrire un texte. Tandis que si je suis sur mon lit, on dirait que je suis plus relaxe, moins comme stressée, puis je suis plus inspirée pour trouver des choses qui ont vraiment plus de structure, vraiment plus de bon sens. En premier, ce que je fais, c'est que je fais mon plan. Fait que je mets introduction, ce que je dois avoir. Après ça, je fais intro, ce que je dois avoir. Puis là, il y a du texte ici parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je sépare mon texte en partie. Fait que en dessous de mon plan d'intro, je vais rédiger mon introduction. Ici, j'ai le développement et j'écris ma première partie pour mon développement ici. Dans le fond, mes 2 paragraphes sont divisés en 2. Et c'est la même chose pour là. Fait que j'ai écrit comme ça ici, puis ça permet vraiment de que ça soit pas trop surchargé justement. Au fond, ce que je commence par faire, c'est mettre en gras la consigne que je dois respecter, la chose à laquelle je dois répondre dans le texte. Par la suite, si mon prof m'a posé des questions pour un peu plus m'aligner, fait que je vais répondre aux questions. Puis après, je vais faire le plan avec les parties du texte. Donc ici, on a l'introduction. Après ça, ici, j'ai le développement partie 1, toujours partie 1. Ça, c'est la deuxième partie et deuxième partie. Et par la suite, j'ai la conclusion. Là, vous pouvez voir que j'ai comme des textes écrits en dessous des choses. Ça, dans le fond, c'est ma nouvelle technique. Depuis quelques textes que je fais ça, ça m'aide tellement beaucoup. Là. Dans le fond, c'est que en dessous de chaque partie, je vais écrire ce que j'ai besoin. Comme ça, c'est vraiment propre à cette partie-là. J'ai comme des textes, des paragraphes décrits en dessous de mes parties. Puis, dans le fond, ça, c'est vraiment efficace pour aider justement à savoir qu'est-ce que tu écris à propos de cette partie-là. Parce que si tu écris tout ce que tu as besoin dans ton premier paragraphe, ben moi, ce que ça faisait, c'est que ça m'était perdu, puis j'avais l'impression que
tout était vraiment trop important. Je pouvais juste pas couper pour vraiment sortir l'essentiel puis donner encore plus d'impact à mon texte. Peut-être que pour vous ça peut être différent, mais pour moi ça m'aide vraiment beaucoup. Les couleurs que vous avez pu voir, c'est pour différencier ce qui est dans le texte. Par exemple, en vert c'était les idées principales. En rouge c'est comme des petits mots qui vont ponctuer les marqueurs de relation. Que je vais aller faire mon texte et on se reparle après. Ok, et voilà, c'est remis et oh my god, j'ai fini ma session en français. Je viens de remettre mon texte de français, puis j'ai fini ma session en français. Ça fait tellement longtemps que j'ai hâte d'avoir fini. Je me suis fait une petite checklist hier parce que je fonctionne énormément avec les checklists. Ça m'aide tellement pour rester productive. Je vais vous montrer ma checklist pour ma fin de session. En gros, c'est ça ici. Donc, je viens de finir mon texte en français. Là, je vais faire mon plan de texte de philo. Puis, si je suis pas trop fatiguée, je vais commencer la rédaction de mon texte de philo. Mais sinon, je vais finir mon chapitre 15 en bio. Puis, peut-être faire mon chapitre 16 en bio aussi. Parce que dans le fond, mon examen de bio commence mardi et se finit vendredi prochain. Là, je vais commencer le plan de mon texte de philo. La seule chose que je comprends pas, c'est de quel angle il veut qu'on l'aborde. Fait que ça se peut que je colle mon prof pour savoir ce. J'ai du chemin à parcourir. Ils le disent tous. Sénèque, en fait, à ce moment-là, il ne fait que... Alright, fait qu'il est rendu comme 6h, il est comme 6h-2. Puis j'ai même commencé mon intro en philo, donc je suis même en avance sur ce que je pensais. Je vais aller prendre une marche pour enfin sortir, mais il commence à faire gris. Puis je pense qu'il va pleuvoir, honnêtement là. Je sais pas si vous voyez un peu le ciel, mais comme on dirait que c'est plus foncé que d'habitude. Je pense que je vais aller juste me chercher un petit snack. I just get myself an apple. Fac, en ce moment... Je pense que je vais continuer mon texte de philo parce que ça va super bien, je suis vraiment inspirée. Comme tantôt, quand j'ai appelé mon prof, parce que je voulais juste avoir certaines spécifications pour le sujet, il m'a confirmé que ce que je disais, c'était compris, puis c'était ça. Comme, je suis tellement contente, vous pouvez pas savoir à quel point ça me soulage, parce que si je coulais encore ce cours-là, j'étais sous contrat pour rester au cégep, parce qu'après que t'aies coulé 3 fois le même cours, t'es out du cégep. Hey guys, je voulais vous demander quelque chose. Je parle vraiment beaucoup d'école dans ce vlog-ci puis sur mes réseaux sociaux parce que c'est vraiment ça qui prend la plus grosse partie de ma vie. Puis je me demandais, vous qui me suivez ou qui me suivez pas, juste qui écoute ça, vous êtes en quelle année? Comme ça m'intéresse vraiment de savoir en quelle année vous êtes. Si vous êtes pas du Québec, dites-moi-le parce que je sais qu'il y a du monde de la France qui me suivent. Donc dites-moi à peu près vous avez quel âge pour que... J'égalise en France, je sais pas nécessairement les niveaux, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir en quelle année vous êtes. Donc là, je vais prendre une petite pause parce que ça fait comme 4 heures que je suis dans la rédaction de mon plan, dans la compréhension de toute ma matière. Parce que moi, je suis comme ça, j'écris, genre je prends des notes pendant les cours puis tout, puis c'est seulement aux examens que je vais vraiment
enregistrer la matière parce que je vais faire des recherches, surtout en ligne en ce moment, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que là, on va aller cocher ce que j'ai fait sur ma checklist. C'est le moment le plus motivant de la journée. J'ai coché tantôt finir mon texte en français, puis là, je peux cocher plan de philo fait. Alright, so je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'ai plus de rencontres avec mes profs. J'ai plus vraiment de choses à faire. C'est sûr que je vais continuer un peu de travailler sur mon texte en philo, mais je pense pas que je vais finir parce que je commence à être fatiguée, puis je veux quand même que ça aille du bon sens. Puis quand je suis fatiguée, j'ai tendance à juste picher des choses comme ça, puis que ça aille pas, mettons, la même structure, la même force que les phrases que j'ai faites au début. J'espère que vous avez aimé ce petit productive vlog. Je pense que je vais en refaire d'autres aussi parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire à partir de quand je vais avoir fini ma session, du ménage, juste de la productivité en masse. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de beaux contenus qui s'en vient, puis j'ai vraiment hâte de juste pouvoir plus vous faire de vidéos. Sur ce, nous, on se revoit et on se repart dans une prochaine vidéo. Bye guys!